Ils sont arrivés à 16h précises. Noé Dussen, Nicolas Rasquin et quelques autres joueurs du Standard sont venus inaugurer le nouvel espace détente du CHC Montlégia. Un peu timide au départ, les enfants reçoivent d'abord quelques cadeaux, ballons dédicacés, écharpes et jouets. Les yeux sont pétillants de bonheur, ils ont la banane. Du côté des joueurs, beaucoup d'émotions également. C'est sûr que c'est touchant. Après, on est là aujourd'hui pour essayer de leur donner un peu de sourire et de passer un petit moment avec eux. Je pense qu'on va après jouer un peu avec eux et c'est des moments agréables qu'on peut passer avec eux, c'est chouette. Les enfants, tout le monde, enfin voilà, c'est la vie, c'est le futur. C'est super important, le plus important quand tes parents, c'est ton enfant, c'est pas toi. Le service a également reçu plusieurs consoles de jeux vidéo de l'association Play for Kids, aidée par la Fondation Standard. Rapidement, les premiers matchs ont débuté, dont un fameux Real Madrid Standard. C'est serré, c'est 1-0, mais je vais revenir. On voit, c'est une chouette après-midi que tu passes avec les joueurs du Standard. Oui, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de cool? Ça nous divertit et puis ils ont le sourire et ils sont gentils. Une thérapie par le jeu vidéo peut sembler bizarre, mais l'équipe médicale l'a adoptée après mûre réflexion. Moi aussi, j'étais éventuellement réticente à ce type de mise de projet. Mais en fait, on voit bien que c'est des jeux vidéo qui favorisent la coopération entre les enfants. Ça crée une dynamique, ça permet aux enfants de se rencontrer. Les enfants passent une belle après-midi malgré un quotidien souvent difficile. Ils ont découvert l'univers du foot qu'ils connaissaient à peine. Tu aimes bien le foot ou pas? Je regarde de temps en temps. Et tu connaissais les joueurs du Standard ou bien tu ne les connaissais pas? Je ne les connaissais pas. Tu étais contente de les rencontrer? Oui, c'était chouette et ça m'a fait plaisir. Cette initiative devrait s'étendre à tout le pays avec, on l'espère, autant de sportifs au grand cœur.